Hello, hello tout le monde. Encore une fois, bienvenue dans la chaîne YouTube. Là. C'est vraiment un plaisir et pour nous gagner. Merci pour fidélité à la chaîne. Merci parce que vous abonnez. Merci parce que vous mettez notification. De façon, là, nous gagnons vidéo qui sorti. Vous faites partie de premier monde qui recevoir. Merci parce que ensemble, nous avons grandi une belle communauté sur YouTube. Là. Nous continuons avec la rubrique nous, qui est Histoire avec Chilo Ferré. Je nous toujours faire chaque semaine. Nous avons des personnages que nous présentons, des personnages qui manquaient histoire, des personnages qui manquaient domaine côté qu'il y a évolué, côté où tu as évolué, ou encore des personnages que forcément ou pas connaît que nous avons présenté. Je tiens à présenter un très très grand sportif. Dans plein de monde, pour décennies, deux millions là, c'est le meilleur sportif. Ok, ça est capable de faire un bel débat. Moi, j'ai une opinion personnelle sur lui. Mais si on dit que dans 20 dernières années, c'est le plus gros sportif qu'on a, il n'y a pas de courir. Il n'y a pas d'accord avec lui, mais il n'y a pas de crazy. Donc, on va aller. On va présenter nous Rafael Nadal. Rafael Nadal Parera, c'est un joueur de tennis professionnel espagnol qui fête le 3 juin 1986 dans la ville de Mallorca, en Espagne. Nadal commence sa carrière à 12 ans en 1998. C'est le ça, il a choisi jouer tennis par rapport à football. 3 ans après, en 2001, à 15 ans, Nadal a décidé de jouer tennis comme professionnel. En 2002, il joue le premier tournoi majeur dans la ville de Mallorca. C'était un tournoi qui était fait sur terre battue. En 2003, à 17 ans, Nadal a intégré ATP World Tour et puis joué le premier grand chelem qui est Wimbledon en Angleterre. En 2004, il prend la Coupe Davis avec Espagne face aux États-Unis. C'était le premier trophée majeur Nadal. C'est même 2004, il a pu affronter Federer pour la première fois. C'était dans Masters de Miami et Nadal était 17 ans seulement. Il a battu Federer 6-3, 6-3. En 2005, Nadal prend le premier Roland Garros à 18 ans. C'était tout premier Grand Chelem. En 2006, il a pu prendre le deuxième Roland Garros. C'était face à Federer et puis perdu et final Wimbledon face à même Roger Federer. En 2007, Nadal prend le troisième Roland Garros et puis deuxième Wimbledon. Donné de suite face à Roger Federer. 2008, c'était une belle année pour Rafael Nadal, côté de prendre Roland Garros à Wimbledon, médaille d'or dans les Jeux Olympiques Pékin et puis une deuxième Coupe Davis avec l'Espagne, et tout ville numéro 1 mondial. 2009, Nadal a perdu place numéro 1 mondial, ça. Mais il a pris Open d'Australie et il a pris une troisième Coupe Davis. C'était le premier Open d'Australie. 2010, les tournées numéro 1 mondial et puis prend 3 grands slams sur 4 possibles. C'était Roland Garros, Wimbledon avec US Open. Parmi ça tout, il était prend en pile distinction, tant qu'au titre champion des champions que journal l'équipe en France de Bali, sportif international de l'année que BBC de Bali, sportif espagnol de la décennie que journal Marca en Espagne de Bali, champion de l'année que Eurosport de Bali. 2011, malgré qu'il ait pris l'autre Roland Garros, Nadal a perdu place numéro 1 mondial. 2012, il a pris le 7e Roland Garros et c'était face à Novak Djokovic, un gros adversaire qu'il a gagné pendant la carrière. 2013, Nadal a pris le 8e Roland Garros et puis reprend la première place mondiale brièvement. 2014, malgré le 9e Roland Garros, Nadal a perdu la première place et même quitté le top 4 ATP. Plusieurs blessures dans le genou, dans le pied, dans la hanche, de temps en temps, ont dérangé carrière Rafael Nadal. Et c'est ça, justement, pendant la période 2015-2016, qui a dérangé carrière. Ça qui fait que Rafael Nadal a quitté le top 10 mondial. Cependant, en 2017, lui est prêt à retourner sur ses prières et prend un 10e Grand Slam, un 10e Roland Garros. Il est retourné numéro 1 mondial. 2019 à 33 ans, Nadal prend 12e Roland Garros, 4e US Open et 5e Coupe Davis avec l'Espagne. 3 ans après, il prend Roland Garros pour la 14e fois, c'était tout 22e Grand Chelem jusqu'à très 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 récemment là, jusqu'à dernier sacre, Novak Djokovic justement. Dans Roland Garros 2023, c'est Nadal qui était devant avec 22 Grand Chelem. Actuellement, Novak Djokovic passe devant avec 23 Grand Chelem. 2023 sera difficile pour Rafael Nadal. Il y a une blessure dans la hanche qui fait qu'il n'est pas capable disponible pour jouer sur ce circuit, ce qui est la cause qu'il quitte top 100 ATP. Je vais toujours faire des quelques bagailles
faut que nous apprenions, faut que nous faire songer, faut que nous rappelions sous personnage. Donc quelque bagaille tu as dû connaître sous Rafael Nadal. Nadal a une sœur qui est Maria Isabel. Totol Miguel Angel, c'est un ancien joueur FC Barcelone à Mallorca et qui était joué pour sélection espagnole. Yolo Totoli, qui c'est Tony Nadal, c'est entraîneur depuis qu'il était tout petit. Nadal joue football tout, il s'est fanatique Real Madrid et Mallorca dans le championnat d'Espagne. Nadal marié depuis 2019, il a un petit garçon qui fête le 8 octobre 2022 qui gagne même nom avec lui. Il joue basket tout, il a joué basket pendant plusieurs années dans la jeunesse. Il a commencé à jouer tennis à 3 ans seulement, il a 22 grands chelems dans la carrière. Lycée un gaucher, il joue revers à deux mains, il a joué tennis professionnel depuis 20 ans. Donc voilà, nous souhaitons que vous t'ayez apprécié, que vous t'ayez enjoy cette présentation ça que nous faisons sous Rafael Nadal, qui sont coquins chaînes sportifs. Rafael Nadal, à chaque fois que il tombait, on dit que c'est la fin du Rafael Nadal, et puis il a retourné, côté que c'est le premier sportif qui te prend un grand chelem plus que 10 fois, c'est Roland Garros, bien que par la suite, Djokovic tapera l'imitel, côté que il prend 20e grand chelem pour la première fois, ensuite Federer fait. Et Djokovic fait jusqu'à ce que Djokovic passe devant. À un certain moment, il a 35 Masters 1000, il a une série ça personnelle. Donc, Rafael Nadal, si ce n'est pas de blessure, vraiment, son sportif qui a gagné une trentaine de grands chelems, une centaine de Masters 1000, tellement l'un pas blessé, il est battable. Et une ça qui fait particularité Rafa, c'est que dans le moment côté que il voulait régner, il y avait aussi le maître Roger Federer. Ça veut dire que c'est un gros challenge par rapport à régularité, stabilité et Federer sur circuit. Et puis vient au troisième larron qui c'est Novak Djokovic. Au début, il a eu les troubles faits, mais au fil des ans, il s'est intégré dans le top 3, qui fait que vient des débats. Qui fait que les gens longtemps de Nadal ou Federer, et maintenant tu peux être Djokovic aussi. En tout cas, c'est un long débat, c'est pas Chichi Gebouve qui a fait là, mais je suis vraiment fascinée par ce personnage. Il est humble, gentil, son fanatique football, et qui aime le football en plus, Rafael Nadal que tu devais présenter. Donc si il y a un tournoi Nadal que tu suives, qui te marque, qui te un petit commentaire pour nous. Et si un match Nadal face à Federer, face à Djokovic, que tu te gardes, qui te marque, partagez là avec nous. Si vous avez des anecdotes sur Nadal, si vous avez des détails sur Nadal, sur la vie Nadal, que vous avez ou que vous avez partagé avec nous, faites ça dans les commentaires. Et si nous faisons dans toute notre vidéo, nous avons la pression, nous retourner pour nous répondre à chaque commentaire indistinctement. Donc merci encore pour le support, merci parce que vous abonnez à la chaîne, merci parce que vous mettez une notification. Parce que vous êtes capable de toujours recevoir toutes les vidéos. Et nous disons que tout travail technique qui fait pour vidéo, c'est ingénieur Christian Bendy Calixte qui fait. Merci beaucoup et à bientôt.